Me revoilà les amis pour maintenant la montagne des dieux. On est toujours sur Golius et on est voilà. J'ai été invité. On va accepter cette bataille. Donc simplement les batailles ou cratère volcanique. Juste 10 personnes, donc d'accord. Donc ça me coûte 20, etc. Donc je vous explique. Excusez-moi. Un peu mal à la gorge. Tout simplement en mode combat, on va dire, on a ah ça commence déjà, merde, comment ça se fait que ça commence déjà, ouh là là. Tout simplement en mode combat, on va dire combat de dieu, on affronte donc d'autres dieux. Ça c'est assez logique ma foi. Oh là là, je vais devoir couper tous ces arbres. Oh là là, ça va être nul, ça va être... Ah ben non, ils n'ont pas de... Ils peuvent pas descendre. Ils peuvent descendre. Simplement, il y a un autre dieu qui est situé dans une autre ville. La caméra qui est juste horriblement placée. Ça va pas m'aider, ça. Tu peux descendre par là, non? Pas descendre par là. Attendez. La caméra, je peux la bouger, ça va? La caméra, je peux la bouger, mais je suis obligé de maintenir Shift pendant que je fais tous mes trucs. Ah voilà, vous pouvez descendre. C'est génial. Et... Non, la caméra ne bouge plus. Bizarre. Tout simplement, vous voyez que j'ai 12 personnes, 12 villageois. Et tout simplement, tous ces villageois... en fait, c'est simple. Ah, la bataille ne dure que 5 minutes. Voilà, pendant 5 minutes, je dois essayer de faire le plus de villageois possible. Donc de faire en sorte qu'ils copulent le plus. Et pour copuler, il faut des maisons. Pourquoi t'es mort? Pourquoi... Non, pourquoi... Non, non. Non, non. Pourquoi t'es mort? Pourquoi t'es... Et toi aussi. Toi, qu'est-ce que tu fous là? On a quelqu'un qui... Je sais pas. Je sais, je suis en train de réfléchir, mais regarde. Je vais faire la place pour que tu puisses construire une maison. Hein? Alors, heureux? Ah, mon dieu. Mon dieu. Et, c'est... Ah bah, elle est juste là. Ouf, je vais me dépêcher. Je vais me dépêcher. Enfin, je pourrais terminer la bataille bien plus facilement, parce que j'ai assez bien avancé. Assez bien avancé. Donc, ça se passait très rapidement. J'ai le choix. Qui... Pourquoi tant? Pourquoi j'ai encore un mort? Pourquoi il meurt? Pourquoi toi t'es fatigué, toi? Et en pleine forme, les gens. Allez. Du nerf. Mais vraiment, mais ville. Pourquoi tu places un totem là, comme ça? Y'a rien, de toute façon, ici. De toute façon, mets tes maisons là, je vais tout cramer, de toute façon. Car oui. J'ai l'arme ultime dans ce jeu. Qui est l'arme qu'on a de... juste au début. Je vais le montrer. Ah bah non, je n'ai pas assez d'amour. Comment ça, toi, tu détruis des arbres comme ça, toi? Tu vois ce que je fais à tes arbres? Voilà. Hein? Hein? Je suis moins la maline, hein? Ha! Donc voilà, c'était le doigt de Dieu! On remercie tous le doigt de Dieu. C'est génial, le doigt de Dieu, c'est... Il y a une forêt à côté de la ville du dieu adverse. Et ben, tu crames la forêt. Mais... Elle continue de récolter, quand même. Je vais essayer d'avancer le plus rapidement possible. Vous pouvez tout simplement cramer la forêt, qui va cramer tout simplement les maisons qui seront à côté. Mais on peut aussi cramer les maisons, hein, vu qu'on est sympa comme dieu. Hein, vu qu'on n'est pas du tout un dieu de miséricorde. Destruction. Non, j'ai pas réussi à faire assez de... J'ai mis ce clic à chaque fois. Et j'ai plus que 30 points. Oh. De toute façon, je ne peux pas perdre. 23 habitants, 2 habitants... Enfin, 23 habitants, 7 habitants. J'ai réduit à 2. Je crois que ma dernière partie s'est passée assez vite, vu que j'ai exterminé tous les autres habitants. C'était assez dégueulasse. Ah ouais, mince, j'ai plus d'amour. Voilà. De toute façon, en mode conquête, on gagne de l'amour en masse. Et donc, là, faut que je me dépêche.
vite. Destruction. Vite, 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 vite. Pas de misclic. Oui. Non. Je suis trompé. Vite. Yahahaha. Toi, je te tue. Ah, plus que 3 habitants. Voilà. 3 habitants. Je peux pas les tuer. Ah bah non, ils résistent, les gens. Ils résistent. De toute façon, il ne reste plus qu'une demi-heure. Une demi-heure. Une minute trente. Voilà, on récolte. Pourquoi tu places ce totem ici? Serait-ce une déclaration de guerre? Une déclaration comme que tu m'aimes pas? Mais ouais, je te fais ça. Viens. Je t'écrase. J'éprouve juste aucun respect pour toi. Et donc, ma récompense, les amis, qu'est-ce que c'est? Je vais voir ma récompense, moi. Si le jeu ne veut pas bugger. Hein? Est-ce que le jeu a bugué? Je vois ma souris hors de l'écran. Ah, non. Non, le jeu n'a pas bugué. Et oui, j'ai gagné la statue de... Alors... D'accord. Oui. C'est inutile? C'est aussi inutile? Ça, c'est utile, j'en aurais besoin. Et ça, j'en ai besoin, je crois. 5000 pour avoir la... D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bon, les amis, juste, je regarde un petit dernier truc. Vous, toi. Toi, tu vas où, toi? Quel chemin entreprends-tu? Bah, je vois, tous les drapeaux, là, ce sont tous les habitants disponibles pour faire un travail. Je sais même pas si je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, je ne crois pas. Il faudrait que t'ailles un peu plus vite. Hein. Et, je sais pas du tout. Ah d'accord, non, c'est juste une personne pour aller prier. C'est juste ça. Voir l'avancement qui a peut-être été fait pendant que je jouais. Non, il n'y a pas eu d'avancement. De ce côté-là non plus. Ça n'a pas trop avancé. Bon, bah les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Godus, je vous rappelle le nom du jeu. Qui est un jeu où donc j'ai passé pas mal de temps à me défoncer le doigt. Mais c'était du très bon temps. Pourquoi il n'y a plus personne ici? Attendez. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, simplement, ces gold-là, je ne l'avais pas expliqué, mais en fait, simplement, c'est des... Oui, je sais. Ça, c'est une carte qu'on gagne assez tout le temps. Et voilà. Voilà, c'est ce que je me disais. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Donc, les amis, j'espère que vous avez apprécié... Ah, putain, shit. Hein? Je dis de la merde. Je dis n'importe quoi. Tout simplement, c'est gold. Les gold sont, pour l'instant, en tout cas, moi, après 2 heures de jeu, la seule ressource que vos fils et vos filles, les filles du gecko, les fils du gecko, peuvent miner pour l'instant. Et tout simplement, le truc, c'est que des fois, les ressources faisaient que j'ai gagné. Merci. Superbe livre. Alors, c'est cette page-là, je crois. Je vais voir les ressources. Voilà. Non, il y a ces ressources-là dont j'ai besoin. Vous voyez que je peux en acheter, par exemple. Là, je peux en acheter... Voilà. Une seule pour 12. Et donc, des fois, quand on n'a pas assez de coffres, il faut... On est obligé d'acheter avec ça. Donc voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, faites-la partager autour du monde, telle une religion. Et je vous dis à la prochaine, ciao, surtout jouez bien les gens, bye.